la crise du Covid nous a obligés à annuler, mais avec regret, l'Antigone des associations. On ne pouvait pas prendre le risque que l'Antigone des associations, qui est la grande fête de la fraternité, de l'engagement, du bénévolat à Montpellier, devienne un cluster. Donc, on a préféré l'annuler cette année en réel. Mais elle sera virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a un portail sur montpellier.fr et nous invitons tous les Montpelliérains et les Montpelliéraines à le consulter pour pouvoir aller découvrir les associations de Montpellier. Les innombrables associations de Montpellier, près de 1000, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit les associations culturelles comme les chorales, que ce soit les associations d'anciens combattants, que ce soit les associations de solidarité, que ce soit les comités de quartier. Et donc, l'Antigone des assos, elle est virtuelle. Et maintenant, nous nous sommes dotés d'un portail numérique des associations. Fini le papier, il suffit de cliquer. Et si vous voulez faire du judo, vous cliquerez sur ce portail et vous aurez les clubs de judo, les présentations en vidéo et la vie de l'association quand elle existe de manière numérique. Je prends un exemple. Pendant le confinement, il y a des clubs sportifs, pas la natation, hein. Pas la natation, ils ne pouvaient pas, mais d'autres qui ont fait des cours en ligne, cours de taekwondo en ligne, par Zoom. Eh bien là, on pourra retrouver. Donc finalement, c'est un accélérateur de la digitalisation de la vie associative. Alors, on espère que ça va trop durer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se retrouve. Et d'ailleurs, avec Hervé Martin, élu au sport, Madame Houguet, élue à la vie associative, on veille à accompagner chaque club, chaque association, pour que pendant cette année, elle puisse continuer à avoir une activité, tout en appliquant les fameux gestes barrières, les mains, le masque, le maître. À Montpellier, des gens qui ont envie de s'engager, il y en a plein. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement. Des gens qui ont envie d'aider au Resto du Cœur, à l'association humanitaire de Montpellier, qui ont envie de s'impliquer dans la vie culturelle, dans la vie sportive. Tous ces gens extraordinaires, tous ces bénévoles qui sont des gens extraordinaires, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur connaissance, qui donnent de leur passion, qui font cette phrase, cette injonction qu'utilise Edgar Morin, l'un des Montpelliérains les plus illustres. Faire fraternité, point d'exclamation.